Imagine que ce sont des monstres, tu n'en feras qu'une goussée. Ouais. Gord, attends un peu avant de crier victoire. Ils sont trop nombreux. Où est Ovan? Je l'ignore. Il ne m'a toujours pas contacté. Il faut qu'on essaie de se regrouper. Bientôt être à court de points de survie. Tiens bon encore un peu. Souvenez-vous, nos ennemis sont insignifiants. Si Ovan parvient à trouver la clé du crépuscule avant l'Ethan, la victoire est à nous, c'est sûr. Compris? Ouais, ils nous ont peut-être encerclés, mais on a le dessus. Shino, il est temps. Hmm? Je dois partir maintenant. Occupe-toi du reste. Quoi? Ne t'inquiète pas. On pourra bientôt partir. Résistez encore un peu. Ok. Okay. Nous pouvons enfin entamer la phase 3. Je m'en doutais. Tout est lié. Oh. Tu savais ce qui allait se passer et tu es quand même venu. Ou es-tu trop fier pour admettre ta défaite? Il fallait que je vienne. C'est pour cette raison que je suis là. C'est tout ce qui importe. Ça ne te ressemble pas. Mais peut-être que si, en fin de compte. Je me souviens de Lovan qui met tout en œuvre pour trouver la clé du crépuscule, quel que soit le prix à payer, et qui continue quand tous les autres ont abandonné. Pas de Lovan qui met en doute la possibilité de son existence. Quelqu'un t'aurait-il enfin fait entendre raison? La clé du crépuscule. Autrefois, elle avait la forme d'un bracelet défendu. Ensuite, elle revêtut l'apparence d'une intelligence artificielle suprême. C'est toi qui m'as parlé de son existence dans la première version de The World. En effet, nous en avions discuté. The World est un jeu qui renferme tout un monde caché, hors de portée des administrateurs système. De plus, le programme source a sa propre autonomie. C'est un jeu mystérieux,
qui peut lui-même bouleverser ses fondations. Il abrite en son sein une entité qui a pour objectif de guider notre univers vers un avenir meilleur. Cette entité est la clé du crépuscule. Tu m'as aussi dit que c'est cette clé qui conduira au crépuscule de l'aurore. C'est exact. C'est pour cette raison que j'ai programmé ce paysage particulier. Le crépuscule, c'est à la fois la lumière faiblissante de la tombée de la nuit et la lumière naissante de l'aurore. Ovan, as-tu oublié ? Je t'ai précisé que la disparition de la première version de The World avait causé la perte de la clé. Comment aurais-je pu l'oublier ? Mais sache que je suis plus que jamais déterminé à trouver la clé du crépuscule, même si ce n'est qu'un mythe. Si elle a réellement existé à une époque, elle est peut-être toujours là, et j'y consacrerai toute mon énergie. Pourquoi ? Mes raisons sont personnelles. Mais assez discuté. Ovan ne nous a toujours pas contactés. T'es toujours aussi naïf, Saki Saka. Hein? Quoi? Franchement, est-ce que Ovan a un jour été doué pour la communication? Non, jamais! Comment vous pouvez être d'aussi bonne humeur? Toi aussi, tu as l'air de t'amuser. Non. Shino, va autour. À nous cinq, on va réussir à les retenir. Je suis d'accord avec Gord. Va là-bas voir ce qui se passe avec Ovan. Non, je dois rester ici. Il faut que ce soit Aseo qui y aille. Hein? Allez, Aseo, fais ce que Shino te dit pour une fois. Mais pourquoi moi? Parce que, Aseo, tu représentes l'avenir de Ovan. Oh. Tu y vas, oui ou non? Ouais. C'est inutile. Tu ne pourras pas t'en servir ici. Ton sort était scellé à la seconde où tu as passé ces portes. Ça va être du gâteau. Non mais quel prétentieux. Il est merveilleux. Hein? Hé, hey, vous comptez venir m'aider? Tu voulais faire ton malin. J'arrive, Gob. Que comptes-tu faire de moi, Naobi? Je ne vais pas te faire de mal. La seule chose qui m'intéresse, c'est le mystère qui se cache derrière ton costume. De quoi tu parles? Ce sont juste des données personnages. Tu sais très bien ce que je veux dire. La capacité de tes données personnages est énorme. Elle est plus importante qu'une zone de jeu tout entière. Je sais que personne ne peut faire ça. C'est impossible. Je veux savoir exactement comment tu t'y es pris. Je vais examiner tes données dans le moindre détail. Ça a toujours été mon intention. Inutile de résister. Je vais altérer tes données personnages pour les étudier. Mission accomplie. On peut battre en retraite. Ovan. Thank you.
Je n'ai fait que te donner un conseil. C'est toi qui as décidé d'aller aider la brigade. Il est inutile de me remercier. Je sais. Je voulais juste te dire que j'avais apprécié ton aide. Les événements nous dépassent parfois. Tu sais quoi ? Il paraît, d'après les rumeurs que j'ai entendues, que la brigade du crépuscule a fini par mettre la main sur la clé. Tout le monde en parle, on peut difficilement l'ignorer. C'est assez ironique. En fait, on n'a pas réussi à trouver la clé. Ovan a disparu et personne n'a eu de nouvelles de lui depuis ce soir-là. Sans oublier que les Tannes ont sorti le grand jeu pour vous piéger. Oui. Ça a été difficile de les affronter. Mais au moins, maintenant, tout le monde est au courant de leur combine. Tu sais, tout le monde ici veut que le jeu ait un sens, un but. Les joueurs ont besoin d'action et de mystères à élucider. En discutant entre eux des opérations secrètes des Tannes ou de la quête de la clé du crépuscule, ils ont l'impression d'y participer. C'est pour cette raison que tant de rumeurs circulent, rien d'autre. Toi, tu sais garder ton calme. Quand on atteint un certain âge comme moi, plus rien n'arrive à nous surprendre. Tout devient ennuyeux. Non, je pense que tu as tort sur ce point. Comment ça ? Réfléchis-y. Si tu passes ton temps ici sans bouger, c'est normal que les choses aient l'air monotones. C'est toi qui m'as appris l'importance d'écouter mes intuitions. C'est pour ça que je veux te remercier pour ton aide. Merci, Philo. Je vais te poser la question une dernière fois. Ovan n'était plus là-bas. C'est un interrogatoire ? Tu as vu la même chose que moi. Il n'y avait strictement et absolument personne autour. Ovan aurait été là si tu ne l'avais pas laissé partir. De quoi tu parles ? C'est pas normal tout ça. Où est passé Ovan ? Tu devrais te calmer, Sakisaka. On a passé toute la zone au peigne fin. On n'a trouvé aucun mode de transport, que ce soit une marque ou une anomalie. Il était impossible de sortir de cet endroit, c'est certain. Ouais, la preuve, on a tous dû se déconnecter et redémarrer notre ordinateur pour sortir. Et vous aviez entièrement vérifié les entrées non conformes, n'est-ce pas ? Comme celle dans laquelle tu étais coincé quand vous aviez cherché les pierres à la cathédrale de Hüllekranz. Il n'y en avait pas, hein ? Non, mais quand même. D'accord, si je résume bien la situation, il est impossible qu'Ovan ait pu partir de cet endroit d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi non plus. S'il s'est déconnecté comme nous, il a pu aller à la porte de la ville sans problème. T'as raison, mais pourquoi ? Pourquoi Ovan essaierait de disparaître ? J'aimerais bien lui poser la question. Oh. Peut-être qu'Ovan a tout simplement voulu garder la clé pour lui tout seul. Oh, ça j'en doute. Ovan ne nous laisserait pas tomber comme ça. Je suis d'accord avec Aseo, c'est sûr. Ok, mais explique-moi pourquoi il ne nous a donné aucune nouvelle. Il a peut-être essayé de nous contacter ou de nous prévenir de son départ. Et s'il veut nous contacter mais qu'il n'y arrive pas ? Il faut qu'on reste patient, d'accord ? Bien. Je croyais que c'était Ovan. Tu m'as surprise, je ne m'attendais pas à te voir. Ovan et toi, vous vous connaissez bien dans le monde réel, non ? Je sais que votre relation dans la vraie vie ne me regarde pas vraiment, mais... je voulais savoir si tu l'avais contacté. Sans résultat. J'ai essayé de le joindre, mais je n'ai pas eu de réponse. Oh. D'accord.
Je dois rester forte. Oh. Moi, je trouve que tu es très forte, Shino. Un nombre incalculable de plaintes, c'est ingérable. Tu vas quand même les gérer, imbécile. Si tu te laisses déborder par quelques plaintes, ça veut dire que je travaille avec des femmelettes. Prends ça comme un défi personnel. Un défi, mais... Je veux plus entendre de mais, de et ou de si. J'en ai plus qu'assez d'entendre vos excuses pitoyables. Monsieur, il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une certaine Shino de la Brigade du Crépuscule veut absolument vous parler. La Brigade... Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Assieds-toi, Tawaraya. Arrêtons les politesses, je vais aller droit au but. J'exige que les Tan nous remettent au van. Je ne suis pas sûr d'avoir ce genre de choses en stock. Ce ne sont pas des informations que tu veux? On m'a dit que ton personnage dans The World est un revendeur et un contrebandier. Où est Ovan et qu'avez-vous fait de lui? Alors ça... Ne fais pas semblant de ne pas être au courant. À moins que tes supérieurs ne t'aient pas mis dans la confidence. D'accord, mademoiselle, je sais tout. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Ovan m'a confié toutes les données concernant les affaires louches des Tan. Comme par exemple les services secrets qui travaillent sous vos ordres. Et toutes les magouilles sur lesquelles les administrateurs système ferment les yeux. Crois-moi, j'ai toutes ces infos. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu veux dire par affaires louches? Je vois. Tu fais partie de ces joueurs que les Tan manipulent. Tu devrais demander à Naobi. Je sais que tu aimes faire des marchés, alors je t'en propose un. Promets-moi qu'Ovan sera libéré sain et sauf et je ne dirai rien sur les Tan. Dans le cas contraire, je ferai en sorte que les données gênantes soient rendues publiques. Marché conclu? Eh bien... Ton marché ressemble plutôt à une menace. Réfléchis-y, je te donne 12 heures. Contactez Naobi, vite! Pour l'instant, vous ne prenez plus d'ordre venant de lui. Et vous annulez toutes les opérations en cours. Toutes les opérations? Mais pourquoi ça? Les Tan prennent un congé exceptionnel. Toi, tu vas tout de suite me chercher Naobi, compris? Hein? Quoi? Moi? Tout de suite? T'es bouché ou quoi? Je viens de te le dire! Allez, bouge-toi! Qu'est-ce que tu veux? Juste te parler. Et tu devais me faire venir ici? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu crois qu'Ovan a trouvé la clé du crépuscule? Après tout, ça n'a plus vraiment d'importance à présent. Au contraire! Écoute, je suis presque sûr que tu te fiches complètement de savoir si cette clé du crépuscule existe ou non. Tu étais juste content qu'Ovan te fasse une petite place dans sa guilde. Je suppose que c'est pour cette raison que tu as accepté de l'aider dans ses recherches. Est-ce que je me trompe? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que... c'était pareil pour moi. Alors pourquoi tu disais que tu voulais battre Ovan? Notre formation à la brigade nous fait bien un point commun. Mais nos destins, eux, seront différents. Pourtant, je connais ton objectif parce que c'est aussi le mien. Tu crois bien me connaître, mais tu te trompes sur mon compte. À plus tard. Fais passer le message à Ovan.
J'ai entendu dire que la brigade du Crépuscule avait déclaré la guerre aux Tan. Je croyais que c'était le contraire. Je comprends plus rien. Mais bien sûr, la guilde des Tan est beaucoup plus grande. La clé du Crépuscule les a peut-être rendus plus forts. Je sais pas, mais en tout cas, ils sont bien montés. J'ai entendu dire que cette gamine de la brigade avait transmis des données prouvant que les Tan sont impliqués dans des activités illégales aux administrateurs système. Donc, c'est ce qu'Ovan avait en tête. Tu ne crois pas que ça va rendre les choses plus faciles pour nous? Comment ça? On n'a plus vraiment besoin des Tan maintenant. Tu as raison. Tout sera beaucoup plus simple si la guilde est démantelée à cause de ses activités. Nos personnages vont bientôt devenir inutiles. Je n'ai jamais été très attaché à ce costume, de toute façon. Ah non? Je te laisse. Je vais aller examiner Ovan.